Pour récupérer. Oui, Yanis. Bien, Adam. Oui, c'est bien, c'est faut plier un peu, voilà. Ça doit être en appui sur les cuisses. Oui, voilà, c'est bien. Allez, dernier passage. Vous sortez par deux, deux contre trois. On connaît, et deux contre trois, on sait comment on doit travailler. Le terrain est compliqué, je sais. On essaye de faire des choses simples, ok? C'est bien d'aller chercher une frappe ici là. Oui Yanis, regardez Yanis. T'es gauche, t'es gauche, t'es gauche, t'es gauche là que d'art. Elle est pas bonne là. Si tu le mets vers lui ici comme ça, lui il va être obligé d'adapter sa course alors que là, regarde ici, tu vas tirer Isma. D'accord? Tu me fais la. Tu me fais ta passe. Là, là. Si je fais ça, là la balle, vous avez vu? Il a du mal, il est mal posé. Reviens reprendre le ballon. Reviens reprendre le ballon. Là, il a du mal, il est encore vers l'arrière. On recommence. Si je lui mets en profondeur, vas-y, Lagda. Mais pourquoi vous avancez? Tirez. Oui. Là, si je le mets en profondeur, il a plus qu'à traverser le ballon et ça finit au fond. D'accord? Donc, si t'es dos au but et tu fais juste ça, ça, ça marche pas. En revanche, si le ballon il arrive et que je m'oriente comme ça et je fais une petite remise, soit pied gauche, soit pied droit, c'est mieux. Ok? C'est bon? Allez, on réessaye. Essayez-moi de marquer des buts, s'il vous plaît. Une reprise, tout le monde s'abonne, c'est bon? C'est bon. Parce que là, là, j'ai mis des buts, c'était fait exprès. Je t'ai pas échauffé, c'est bon. Pourquoi il a du mal là à chaque fois? Parce que c'est un défenseur? Non! Parce qu'il était pas sur les appuis? Parce que c'est un défenseur. Non, Cyril, parce que j'ai vu des défenseurs quand même être un peu meilleurs que Nassim à la reprise de volée. Parce que quand la balle elle arrive, il arrive pas à lire correctement la trajectoire de la balle. Donc la balle elle est en l'air, il s'arrête, il avance, il s'arrête et quand il arrive, des fois il n'est pas du tout prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Thierry viens m'aider. Je me mets un ballon comme ça, au devant. D'accord? Dès que je te le dis. Dès que je te le dis. Là, le déplacement qu'il faut avoir s'il y a un ballon en l'air, vas-y montre-le bien haut. Là, petits appuis, je m'adapte. Et là, derrière, je fais des petits pas. Oui, là il n'y est pas. Mais sur un grand but, elle est en dessous. On coupe en montage ça. Et je suis calibré sur les grands buts. Allez. Il a fait les petits pas, la balle, elle a pas fini chez le voisin déjà. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, c'est super. Ah, j'ai dit, t'as fait tout à l'envers. Ils sont bien les entraînements d'Abdé, hein. Bon, t'es raconté trop de bêtises. Mais les couleurs les mêmes. Il y a de la boue partout. Bah, tu fais un twister. Mais avec nos pieds, calme. Et vas-y, il y a l'autre qui tourne et qui dit les couleurs. Bah, c'est lui. Bleu. Voilà, bleu. Pied droit ou pied gauche ou pouvoir. Je vois vraiment pas où tu veux en venir avec cet exercice. J'ai une film. Filme, ça va être trop drôle. Ah ouais, mais là, je filme. Avant que je vous le donne, il faut donner le ballon à quelqu'un d'autre. L'objectif, ça sera de savoir à qui je donne. Avant de la donner. Il y a un ballon entre ah, bah, bah oui, c'est ça le problème. C'est ça le but du jeu. C'est pour décaler le ballon. Si je donne pas de ballon, ça n'y aura pas de décalage. Moi je donne à Olivia, Olivia donne à Lilou, Lilou elle donne à William. 3, 2, 1. Allez, encore un essai, encore un essai. Ça a fonctionné. Il faut prouver à Lilian qu'on sait un minimum de donner le ballon. 2, 1. Allez. Ça marche pas, ça marche. Ouais, donc, c'est quand même très bien préparé, j'ai l'impression. Donc par rapport à l'exercice de tout à l'heure, ça y ressemble un peu. Maintenant, on prévient la personne à qui on va faire la passe. On fait la passe au pied, on joue plus à la main. Et quand on a donné, on passe, on suit. Ça s'appelle un... On l'a dit tout à l'heure. Une passe et... Une passe et suit. Oh là, le vent. Oh, mais c'est incroyable. Lilou. Oh la chance. Tiens, et toi tu veux une femme quelque chose? On avait ça, ils étaient même pas encore là.
Et aujourd'hui vous avez plus rien. Ouais, t'as vu ça? C'est dur hein. Non mais meilleur, vas-y, va ranger les affaires toi. Allez, va ranger. De quoi? Ah moi j'avais oublié, tu me l'as rappelé. Je t'ai sûr tu me l'as rappelé. Elle a fait un truc seulement mais vous dites bonjour. Non, c'est trop méchant par rapport. Non. Mais je vous ai pas abandonné, vous aimez pas Abdé? On préfère Abdé que toi. Bah non, mais... donc du coup je vous ai pas abandonné. En plus Abdé il leur fait des exercices mon pote. Ils sont incroyables les exercices. Bienvenue aujourd'hui à l'aide aux devoirs. C'est le lieu où les enfants tous les mercredis avant l'entraînement ou après l'entraînement font l'aide aux devoirs avec Nicolas, le prof que vous avez déjà vu dans les autres épisodes. Aujourd'hui on fait quelque chose d'un peu différent. Il y a Football Écologie France qui est passé pour venir faire une fresque écologique. Une fresque écologique, c'est en fait un peu parler de tout ce qu'il y a dans le foot et tout ce qu'on peut améliorer dans le foot en termes d'écologie et faire de la prévention auprès de nos jeunes. Donc là on a deux groupes qui vont passer, les U14 et les U13, et on vous emmène, on va vous montrer tout ça. On va faire un jeu qui s'appelle la fresque écologique du football. Donc on va vous séparer en deux équipes. Et l'objectif pour chaque équipe, ça va être justement de comprendre tous ces enjeux-là et d'arriver à trouver un maximum de solutions pour avoir une pratique responsable quand on joue au foot. En plus des vestiaires et autres locaux techniques, des stades, certaines parties des tribunes, les loges par exemple, sont chauffées. Alors on vous dit quoi dans cette carte? On nous dit que les vestiaires et les toilettes, les douches sont chauffées dans le stade. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a vu en classe qu'un chauffage, ça marche comme ça. Ça prend l'air froid de dehors ou l'air chaud et ça la remplace, ça la sort. En gros, ça échange. Donc du coup, il y aura de l'air chaud à l'intérieur du stade, mais froid à l'extérieur et c'est pas bon. Alors ça dépend comment t'es chauffé, mais c'est une bonne remarque ce qu'il vient de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'acheter beaucoup de vêtements? Réutiliser, recycler, réparer et... En fait, le premier, c'était réduire. En fait, avant d'acheter un objet, tu dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, vous, au niveau de vos équipements, tu vois, t'as tes maillots, ton ensemble, ton survêtement. Quand il est plus de ta taille, qu'est-ce que tu fais? Je lui donne à mon petit frère. Moi, j'ai donné à mon cousin. Tu le donnes ou tu le vends? Sur Vinted. Le vends? Ouais, tu peux aussi, c'est ça. Réutiliser. Quand il y a un trou, qu'est-ce que vous faites? Le recoudre. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il faut le jeter? Non. Pourquoi il ne faut pas le jeter? À part que on a dit recycler. Recycler, c'est qu'il recoudre. Le textile est la troisième plus grosse source de consommation d'eau après le riz et le blé. 20% de la population de l'eau mondiale serait causée par la teinture et les finitions des produits textiles. 500 000 tonnes de microplastiques sont rejetées par an dans les océans lors du lavage des vêtements synthétiques. Regarde, tu vois quoi là sur le logo? Recyclable. Ok, ça veut dire recyclable, mais du coup, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur là? Regarde, si tu regardes de près. C'est des bouteilles d'eau. C'est ça, c'est des bouteilles d'eau. En fait, c'est parce que le t-shirt, comme le ballon, il a été fait à base de bouteilles en plastique. C'est-à-dire avant, ça c'est des bouteilles d'eau que des gens ont bu et vous avez recyclé. Voilà. Ça c'est le. C'est que des matériaux recyclés. Ça se fait, j'ai bu dedans, ça se fait, j'ai bu une bouteille. Tu as bu l'eau dans une bouteille qui était. Voilà. Il vous reste 10-15 minutes là pour finir et trouver le plus de solutions possibles. Marqué là et comme ça chaque solution trouvée ça fera un point. Comment on dit compost? Comment on dit? On écrit compost. Un compost naturel pour quoi? Pour les déchets alimentaires. C'est une solution. Oui, gaspillage. C'est une très bonne solution, ça. Alimentaire. Tu mets faire un compost. Vous pouvez faire vous au quotidien? Ouais, une action. Moi aussi, c'est déchets par terre. Alors chacun son tour. Ouais. Moi jeter ces déchets par terre, moi polluer, et il faut qu'on va voir le président Emmanuel Macron. On va pas aller voir le président, t'inquiète. Il est trop engagé. Allez hop là. Tu voulais lui dire quoi en fait? Macron, vous voulez vous dire faites des terrains, faites plus, des terrains synthétiques. Je voulais dire jouer plus le jour, comme ça vous faites moins d'éclairage. C'est moi qui ai écrit. Moi je dis que chaque pays fasse ses propres maillots. D'accord, donc la production locale. Développer l'énergie renouvelable, les barrages électriques. Les panneaux solaires, les éoliennes. Donc vous voyez déjà ce que vous avez appris aujourd'hui, donc c'est pour votre vie de tous les jours, votre vie de footballeur, mais... Vous allez aussi faire le lien avec certaines matières qu'on va vous enseigner à l'école, hein, que ce soit au niveau de la SVT ou autre. Le but, c'est pas de vous interdire de faire les choses. Le but, c'est de remarquer qu'on en fait trop sur plein de choses, qu'on est en abondance de tout, des déchets, la lumière, les stades, les transports, et qu'il faut tous essayer, à notre échelle, de faire des choses.
on se base sur des choses pour faire nos matchs, pour pouvoir juger nos matchs. On est sur la phase retour de notre championnat, je le dis, répète, pour être ici, je leur dis. On ne vous a jamais demandé de victoire, on ne vous a jamais demandé de points ou de scores. Parce que ça, c'est des choses qui ne déterminent pas vraiment la façon dont un match a été joué, dont la façon dont un match a été entamé et fini. Comme le dernier match, je vous demande juste de faire mieux que le premier. Je dis ça parce qu'avec tout le travail que vous avez pu mettre, il y a de la progression, donc ça doit se refléter. Composition, Jordi, Amadi, Younes, Nassim, sur la même ligne. Ilyes, Tadrin, une ligne en dessous. En défense, on a Haroun, Jawed, Desmond, Younes, Akram au goal. Desmond, tu reprends le C aujourd'hui. Je veux une chose qui n'a pas été là mercredi, une communication positive. Les gars, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez rater des choses. Mais le minimum que je peux apporter à un coéquipier qui rate, un coéquipier qui échoue, c'est une communication positive. Allez, c'est pas grave, ça va venir. Allez, continue à être motivé. Continue tes efforts. Il a sifflé. Coupe Charlie, coupe. Ça passe. Vas-y. Faut lâcher les gars, regardez là. Dommage, je vais jouer. Non, blanc. Encore blanc. Laissez pas jouer. Bien joué Jawed. Jordi. Vite. Vous allez aider. Plan, sortez. Haroun. Oui.
Allez au milieu les gars. Tourne. Debout Clément, debout. Et Clément, debout. Il est parti. Oui. Sortez blanc. Allez Younes, laissez pas jouer Younes. Super Younes. Voilà, fais-le. Lève la tête. Bien joué Younes. Propose après. Voilà. Communication, c'est la base du football. Si je parle pas à mon coéquipier, c'est pas ce que je vais faire. Au moment où je vais le faire, ça va être trop tard pour qu'il comprenne. Ensuite, jouer plus vite. Comment on joue plus vite? On fait des passes. On prend la formation. Parce que vous essayez de jouer vite avant de savoir ce que vous devez faire. Le ballon, il arrive, je la mets fort. Ah ouais, y a personne. Le ballon, quand il vient jusqu'à moi, il y a une fraction de seconde, je peux l'utiliser pour tourner ma tête. Quand je vous demande de vous faire à l'entraînement, conduite de balle, prenez la formation, levez votre tête. C'est pas pour me faire plaisir. Le résultat va me faire plaisir. Mais juste lever sa tête, ça me sert à rien. Ou jouer vite, ça me sert à rien. Les deux, ils doivent marcher ensemble. Je dois savoir ce que je dois faire et je dois le faire rapidement. Le but qu'on a pris, on joue dans un carré, on perd la balle, on la remet là. 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 Un tir, un but. 1, 2, 3, 4, 5. On doit attendre quoi? 5 échanges et 5 pertes de balles avant de l'envoyer? Les gars, il n'y a pas de consigne. Hein. Je vous dis pas 5 passes réussies avant d'aller marquer au quoi qu'est-ce. Si c'est fermé à droite, je vais à gauche. Si c'est fermé à gauche, je vais à droite. S'il y a trop de densité en défense, j'envoie. S'il y a trop de risques, j'envoie. On envoie le ballon, ça va faire sortir l'adversaire. Et ça va nous permettre de monter. C'est pour ça que Desmond, j'insiste beaucoup sur ta communication. Et le fait de te demander de me faire monter. On aère le jeu, on trouve notre attaquant, il réfléchit 2 secondes, il a une solution vu qu'il a pris l'information, il l'écarte et on donne dans un espace. Est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît? Oui. Jaoued. Quand latéral il se fait passer, ben je vais sur le joueur qui...
qui a la balle. Ton latéral gauche, tu te places à gauche, c'est descendre à droite. Si Haroun perd son duel, tu dois venir récupérer derrière lui. Le temps que lui se replace, Desmond doit coulisser, Younes doit coulisser. Si vous défendez à 4, c'est pas 1, 2, 3, 4, il défend dans son compartiment. C'est, comme tu l'as dit, un de mes coéquipiers se fait battre, un de mes coéquipiers se fait éliminer, il perd son duel, je couvre. Et là, c'est à moi de gagner mon duel. Et là, c'est un autre coéquipier à moi de venir me couvrir. Du coup, c'est dur à vous de prendre ma place. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. T'as tout compris. Je peux pas faire de passe au milieu. Yeah. Et ici, yeah. Dans l'axe, c'est dangereux. Tu l'as fait quand j'étais au. C'est dangereux. On a perdu la balle chaque fois. Ici, trop de faux rebonds. Jawed, il peut rater son contrôle, but. Porte le ballon ou joue devant. Si Ilyes sort de cette zone-là et se trouve ici, oui. Mais s'il est ici, c'est trop dangereux. À part si tu vois qu'il est seul. En fait, je vais pas te donner une réponse qui va marcher à chaque fois. Tu dois prendre la formation et prendre ta décision par rapport à ce que tu as pris. Ok? Allez, Mati, bien joué, allez! Bien joué, Dorty, allez! Allez, Mati! Bien joué, Jawed Haroun! Bien joué! Pas dans l'axe.
Vas-y. Ouais. Allez, papa, allez. Premièrement, bien joué à vous, parce que la consigne principale c'était de faire mieux qu'au premier match, au match aller. Elle a été respectée. Votre envie et votre détermination, je peux rien y changer. Je peux essayer de vous motiver, je peux essayer de vous encourager, mais si ça vient pas de vous, ça viendra de personne. Que ce soit vos parents, vos amis, vos proches, il n'y a personne qui pourra faire les choses à votre place. Et je parle pas que ça que dans le foot, hein. Que ce soit à l'école, au travail, dans la vie de tous les jours. Si je ne fais pas les choses pour moi, personne ne les fera. Ça, c'est que du bluff, hein. Ça, c'est rien du tout. Ça, je peux vous dessiner sur des papiers jusqu'à l'année prochaine. Mais si vous n'avez pas envie de mettre ça en place, c'est inutile. Autant que je jette un ballon, je dis « Allez les gars, on joue ». Ça revient au même, hein. C'est bien beau d'être content quand on gagne. Quand on fait des bonnes performances, ouais, on est tous potes. Mais encore une fois, la communication positive, c'est surtout quand ça va mal. Les gars, levez la tête, s'il vous plaît. Ça va vous arriver d'être responsable de but, hein. Mais si on arrête de jouer au foot à chaque fois qu'on fait une erreur, personne sur cette terre pourrait jouer au foot. Personne. C'est compris ou pas? Oui. On se voit mercredi à l'entraînement. Bonne joie à tous.